Je m'appelle Mathieu Marcoux, j'ai 23 ans. Je m'appelle Vincent Tellier, j'ai 23 ans aussi. On étudie tous les deux à l'Université Laval. Ça fait maintenant un an qu'on est mariés. Depuis 10 ans, ce que je pense qui a changé au niveau du mariage gay, c'est que nous, aujourd'hui, quand on a voulu se marier, tout ce qu'on a eu à faire, c'est de dire « oui, je le veux », tout était déjà là, c'était rendu naturel pour un couple homosexuel de se marier. Alors que dans le temps, il y a 10 ans, eux, il fallait qu'ils se battent pour leurs droits. C'était devenu un acte symbolique pour eux de se marier. On a décidé de se marier parce qu'on s'aime, parce qu'on veut faire notre vie ensemble. Mais il y a aussi une raison pratique qui est par rapport à l'adoption internationale. Pour adopter à l'international, pour un couple homosexuel, il faut être marié depuis un certain nombre d'années. Il faut être propriétaire d'une maison. Il faut que la chambre du petit ou de la petite soit prête. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de faire le grand saut. Moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes homosexuels et les jeunes lesbiennes qui se découvrent au primaire et au secondaire n'aient pas de problème à s'accepter et à s'intégrer, qu'ils ne se fassent pas juger comme nous, on s'est fait juger quand on était plus jeunes. Oui, puis je pense aussi, déjà, ici au Québec, on est chanceux parce qu'on en a des droits, mais c'est pas comme ça partout dans le monde. J'espère juste que ça va changer bientôt pour le mieux.